Merci. On est encore là, on est encore merci, là. Merci, c'est cool. Ah, ça chauffe, ben, ça chauffe. Ben écoutez, à présent, nous allons aborder un thème qui nous concerne tous, c'est l'écologie. Ah. Parce que, et ça c'est vrai, là j'attire votre attention parce que c'est grave, parce que chaque jour, des espèces disparaissent. De nos porte-monnaies surtout. Alors, pour vous sensibiliser, nous allons vous diffuser un petit documentaire animalier, d'ailleurs diffusé sur un support écologique, un projecteur Super 8. Ah, c'est bien. Ouais, c'est sympa. Dans la forêt des Vosges, vit Robert. Robert, le caméléon. Période de chasse. Le caméléon est en période de chasse. Et je crois qu'il a repéré une sauterelle. Oui, n'en aie pas peur, hein, c'est un film. Il va rien t'arriver. Excusez-moi, j'en profite pour se arrêter parce que ça a l'air de rien ce qu'il fait, mais c'est super physique. Parce que regardez, il est tout en muscle, tout en tension. C'est super fatigant. Ça, énorme. Boulot, énorme. Énorme. Puis si je veux, je peux le laisser comme ça pendant des heures parce que c'est moi qui ai la suite du sketch, donc... Je te le confie, je vais faire pipi. Hein? Allez! Arrête, on va la perdre. Arrête, voilà. Le caméléon a la capacité de changer de couleur. Quand il marche sur de l'herbe, il devient vert. Et quand il marche sur des fourmis rouges, il les mange. Pourquoi pas? Ah non. Oh non, elle est périmée, celle-là. Elle vient de chez Lidl. Oh. Oh. Bah, dis donc, c'est très mal poli de cracher comme ça sur les gens, là. Plaît-il? Bah, enfin, c'est qui, là, qui a craché? Bah, je ne sais pas, mais c'est pas moi. Bah, alors, c'est qui? C'est mon collègue, là, Mario le crapaud, là. Dis donc, Mario, déjà, t'es un crapaud, si en plus tu cries, enfin, en même temps, attends, je déconne, parce que je t'appelle Mario, mais c'est pas ton vrai prénom, Mario. Non, c'est quoi ton vrai prénom? Marc. Bah, c'est joli, Marc. Enfin, c'est aussi con que Mario. Ouais, on va t'appeler Mario, allez, on va t'appeler. Donc, je disais, le caméléon a la capacité de changer de couleur. Là, vous allez voir, il va marcher sur de la terre rouge. Il va donc rougir. Eh bien, ce qui prouve qu'il y a des caméléons daltoniens. Et surtout un con à la régie. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Hein? Bien. Le caméléon peut rester des heures et des heures suspendu à la branche d'un arbre uniquement par la queue. Hein? Bah écoute, fais-le, les gens sont venus exprès pour ça, fais-le! Allez, l'envoi du mime, allez ensemble! Par la queue! Queue! Par la queue! Par la queue! Par la queue! Non, allez. Non, ouais. En plus, c'est ridicule, ça fait Club Med, hein? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non loin de Robert le caméléon, vit Ahmed. La mouche Ahmed. Alors...
La mouche, les soirs d'été, adore se poser sur des grosses bouses. Et elle adore se poser sur des grosses bouses. Pourquoi déjà? Pour... Bah pour pondre. Peut-être pour... Bah, donc, bon allez, à l'ancienne. Ouh, la mouche. Viens un peu par là, là. Viens un peu par là. Viens, viens. C'est pas un piège? Non, non, non. Non, viens un peu par là. Viens faire un bisou à papa. Viens faire un bisou. Tu me prends pour une conne. Non, non, non. Viens, viens par là. Viens par là. Seigneur de la jungle, féroce, puissant, carnassier, le zébu. Le zébu? Le zébu, le zébu. Salut. Salut. Patrick Zébu. Un peu trop. Le Zébu est en période de rut. Alors, comment ça se passe? Tout d'abord, le Zébu repère une zébette. Je crois que c'est pour ta pomme. Et le Zébu entame les travaux d'approche. Salut, coquine. Tu te kiffes, la bête? Puis il effectue une petite danse de séduction. Baisse-moi mon cœur. Et c'est l'heure du coït, violent et brutal. On t'a expliqué, non? C'est un spectacle interactif. Tu viens avec nous, s'il te plaît? Tu viens? Non, 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 mais rassure-toi. Car quand le Zébu est un animal... Pour une fois qu'il y en a une qui voulait. C'est un sketch. C'est rare. C'est rare, c'est rare. Car comme le Zébu est un animal très myope, il copule régulièrement avec des enseignes de Buffalo Grill. Qui, la plupart du temps, sont électrifiées. Ah oui, ça fait mal. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ça pique. Ah ben non, il n'y a plus, il n'y a plus. Ce qui explique, malheureusement, que le Zébu est un animal en voie d'extinction.